Merci. Alors, je vais essayer de traiter ce sujet sur les dynamiques différenciées des territoires transfrontaliers. Alors, un territoire transfrontalier, s'il fallait donner une définition, c'est un territoire qui se construit par des formes de coopération basées sur des objectifs communs entre des espaces situés de part et d'autre d'une frontière. L'idée, c'est que ces espaces transfrontaliers ne sont plus des zones marginales, des zones périphériques, comme elles ont pu l'être, mais de plus en plus souvent des espaces d'intégration, de coopération, et nous le verrons au cours de cet exposé. Ces espaces transfrontaliers, ils sont souvent scindés en deux ou trois par une discontinuité spatiale, le plus souvent d'origine naturelle, que ce soit un fleuve, que ce soit un massif montagneux, que ce soit une colline, bref. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à cette question sur quels sont les vecteurs d'intégration internationaux entre ces espaces bordiers. Alors, dans un premier temps, il faut s'intéresser un peu au paradigme de cette frontière, à savoir quel est le statut frontalier de la France. Alors, comme vous le voyez ici, la France a à peu près un peu moins de 3000 km de frontières métropolitaines avec d'autres États. Pour une bonne partie des frontières, ce sont des données kilométriques qui sont assez proches, 623 km avec l'Espagne, 515 avec l'Italie, 620 avec la Belgique. Donc on est sur des linéaires frontaliers à peu près de taille identique. Et puis on a, quelques frontières qui sont beaucoup plus petites, comme celle de Monaco, de l'Andorre et du Luxembourg. On pourrait presque dire que le tracé frontalier est inversement proportionnel, la longueur du tracé frontalier est bien souvent inversement proportionnelle à l'intensité des flux qui les traversent, à savoir ce n'est pas parce que le tracé frontalier est long que les flux sont importants, bien au contraire, et on peut le voir avec l'Italie et surtout l'Espagne, qui est le tracé frontalier le plus long, et l'importance des flux transfrontaliers le plus faible. Et à l'inverse, est Monaco, qui a un tracé frontalier extrêmement réduit et qui va accueillir plusieurs dizaines de milliers de frontaliers chaque jour qui vont traverser ce linéaire. Donc la corrélation entre le tracé et l'intensité des flux n'a finalement aucune relation. Et dans ce contexte-là, nous avons aussi trois espaces qui sont finalement trois triangles dynamiques, le triangle dynamique Belgique-Luxembourg-France, France-Allemagne-Suisse, France-Italie-Suisse, et qui sont des zones de dynamique particulièrement intense, même si celui-ci est d'une intensité un peu moins importante. Dans les territoires ultramarins, le seul territoire ultramarin que nous ayons avec des frontières importantes, c'est la Guyane qui partage ses frontières avec le Suriname et le Brésil. Alors, ces territoires frontaliers vont générer en fait des mobilités relativement fortes. Et en France, on a à peu près 450 000 personnes qui vont transiter tous les jours pour aller travailler dans le pays voisin. Et s'ils le font, c'est parce que nous avons finalement des zones d'appel. Nous avons des zones d'appel, à savoir que lorsque vous regardez la carte ici du PIB par habitant selon les LUTS de l'Union européenne, on voit clairement qu'une bonne partie des régions frontalières françaises ont un PIB par habitant inférieur à la moyenne européenne. Et par contre, à partir de la Méditerranée, ici jusqu'à la mer du Nord, la quasi-totalité des régions frontalières situées à l'étranger, qu'elles soient italiennes, suisses, allemandes, luxembourgeoises et pour une partie des régions belges, ont un PIB par habitant nettement supérieur. Et on va donc trouver ici une zone d'appel manifeste, à savoir que les revenus disponibles dans ces régions-là vont générer l'arrivée de frontaliers en quantité relativement importante. On peut se demander si ces espaces frontaliers ont un effet sur la population et les dynamiques démographiques. Et en fait,
si l'on s'y intéresse de plus près, alors moi j'avais réalisé cette carte-là il y a quelques années, sur l'évolution démographique de la population entre 82 et 2013. Et entre 82 et 2013, on s'aperçoit que la croissance démographique la plus forte concernant ces espaces frontaliers, eh bien, on la trouve le long de la frontière suisse, à proximité de la frontière italienne, mais pour des raisons quand même assez différentes, assez éloignées de l'intensité frontalière. Par contre, une bonne partie du massif pyrénéen connaissait une diminution de sa population, notamment les Pyrénées centrales, et une bonne partie de la frontière belge, en tout cas pour sa partie ouest, connaissait une croissance relativement modérée. Et je vous ai mis ici les derniers chiffres, ceux de la croissance démographique entre 2013 et 2022. Eh bien, entre 2013 et 2022, on s'aperçoit que la frontière belge n'a finalement pas attiré beaucoup plus qu'elle ne le faisait déjà. La frontière allemande continue de stagner et n'attire pas beaucoup plus qu'elle ne le faisait. Par contre, la frontière suisse et la frontière italienne constituent des espaces de croissance démographique relativement importants, nettement supérieurs à la moyenne. Pour l'Espagne, les données sont un petit peu à relativiser parce que finalement, ce sont les deux extrémités qui sont... Attendez, je ne sais pas si vous avez quelque chose, en fait. Ah, voilà. Et pour la frontière espagnole, ce sont en fait ces deux régions, l'extrémité méditerranéenne et atlantique, qui concentrent les plus forts taux de croissance démographique. Les Pyrénées centrales ont aujourd'hui un taux de croissance qui reste assez modeste. Et si l'on prenait une échelle différente, à savoir l'échelle... on faisait des zooms sur quelques espaces, eh bien, on le voit clairement ici, les taux de croissance sont importants aux deux extrémités. Et par contre, on pourrait s'apercevoir que du côté belge, ici, eh bien, la croissance démographique côté belge est nettement plus importante que côté français, où nous avons soit une baisse de la population, soit une croissance relativement modeste. Alors, ce phénomène-là des frontaliers est à mettre en rapport, comme on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, avec le PIB par habitant que l'on trouve de chaque côté de la frontière. Comme vous le voyez, ce PIB par habitant, il va de 30 104 pour l'Espagne à plus de 230 000 pour Monaco. Et on s'aperçoit que l'on a donc des flux particulièrement importants dans les pays où le PIB par habitant est le plus élevé, qu'il s'agisse de la Suisse, qu'il s'agisse du Luxembourg, qu'il s'agisse de Monaco. Et les flux de frontaliers les moins importants, eh bien, on va les trouver avec l'Espagne, avec l'Italie. Pour l'Allemagne et la Belgique, on est sur des pourcentages qui évoluent assez peu. Lorsque l'on essaie de quantifier ce nombre de travailleurs frontaliers, eh bien, comme vous le voyez ici, donc on a à peu près 450 000 personnes qui traversent quotidiennement la frontière. 450 000 personnes, ça fait à peu près 1,5% de la population active. À peu près 1,5% de la population active française va travailler quotidiennement à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est de voir la croissance du phénomène. Entre 2014 et 2020, le nombre de frontaliers a augmenté en moyenne de 15%. Donc le phénomène avait déjà une ampleur significative par le passé. Il a une ampleur beaucoup plus grande aujourd'hui. Et ces frontaliers, eh bien, finalement, pour les deux tiers, ils vont travailler en Suisse ou au Luxembourg. C'est en Suisse ou au Luxembourg que les deux tiers des frontaliers vont travailler. En Allemagne, le taux augmente de manière assez modérée. J'ai envie de vous dire, c'est presque une valeur stable depuis une trentaine d'années. Pour l'Espagne et pour l'Italie, on est, on va pas dire sur un épiphénomène, mais pas très loin. Hein. Vous voyez, c'est à peu près 5000 personnes vont travailler en Espagne, 2000 viennent d'Italie. Alors qu'à l'inverse, globalement, on a 450 000 Français qui vont travailler à l'étranger, on a simplement 30 000 étrangers qui viennent travailler en France.
Donc le rapport, il est complètement disproportionné entre les deux paramètres. Alors, pourquoi franchir la frontière ? On franchit la frontière parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet frontière. C'est-à-dire que il y a une frontière qui va déterminer une limite de souveraineté, une législation différente de part et d'autre de cette frontière. Et donc à partir du moment où on a une législation différente, on va avoir des conditions socio-économiques différentes aussi. Et nombreux sont les habitants des régions frontalières qui vont essayer d'en tirer parti. Donc la première raison est une logique financière. On va travailler dans le pays voisin parce que les revenus sont plus élevés. Le revenu moyen des frontaliers travaillés en Allemagne est de plus 28%. Salaire moyen, le SMIC à Genève est passé à 4 400 €. Le différentiel de salaire pour ceux qui travaillent, qui se travaillent au Luxembourg est de plus 68%. Donc l'intérêt d'aller travailler à l'étranger est vraiment manifeste. On va travailler à l'étranger parce qu'on a des revenus plus élevés. La deuxième raison est une raison plutôt de nature économique, qui va se baser sur le différentiel de prix induit par la frontière, qui est lié au coût de la vie, au système de taxation, au taux de change. Et les ménages adaptent donc une partie de leur pratique en fonction de calculs économiques comparatifs. On va dans le pays voisin pour remplir son réservoir d'essence, pour remplir son réfrigérateur, pour acheter de l'alcool. Et vous avez aussi on peut prendre un exemple assez significatif, qui est cette carte sur le prix des cigarettes, sur le prix des cigarettes en France et dans les pays voisins. Alors, cette carte, elle représente l'augmentation de l'achat des cigarettes sur le territoire national à la suite de la fermeture des frontières liées au Covid. Donc, en 2020, et vous avez le prix du paquet de cigarettes en France, c'est à peu près 9,50 €. On consomme 1,5 milliard de paquets par an. Et vous le voyez, les cigarettes sont partout moins chères ailleurs dans les pays frontaliers. Et lorsque l'on a fermé les frontières, eh bien, vous apercevez que dans les espaces frontaliers, eh bien, le taux d'achat des cigarettes a augmenté par certains endroits de plus de 100%. Ce qui signifie bien que lorsque les frontières sont ouvertes, eh bien, on se rend à l'étranger pour acheter des cigarettes en grande quantité. Et donc on estime que sur les 1,5 milliard de cigarettes consommées, le paquet de cigarettes consommées en France, il y en a 9,5% qui viennent des pays étrangers. C'est-à-dire à peu près 140 millions de paquets que l'on va acheter à l'étranger. Et donc le différentiel de coût est ici particulièrement important et particulièrement intéressant pour le frontalier. C'est pour ça aussi que l'on traverse la frontière. La troisième raison est une raison de nature socioculturelle. C'est-à-dire, ce sont les préférences, ce sont les habitudes, c'est le dépaysement culturel, le patrimoine historique, la polarisation exercée par les grandes villes proches qui stimulent les mobilités de loisirs, de week-end, entre résidents des régions frontalières. À ces flux réguliers s'ajoutent des mobilités récréatives vers les casinos, les boîtes de nuit, les plages sportives. Vous pouvez prendre, pour ce qui nous concerne, la récente délocalisation du match entre l'Aviron Bayonnais et Toulon au stade d'Anoeta à Saint-Sébastien, il y a 15 jours, et mal en a pris aux Bayonnais, et qui ont pris presque 50 points. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui a tendance à se développer, en tout cas, entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. Et la dernière raison, eh bien, c'est une raison qui met en exergue un différentiel d'offres, à savoir l'absence ou la faiblesse de pôles urbains français, la fonction résidentielle des communes françaises proches de la frontière et la taille des centres urbains voisins constituent autant de facteurs qui induisent un effet d'agglomération ou de centralité. Et en fait, ici, il ne s'agit pas d'un effet frontière au sens
au sens strict, mais davantage d'une conséquence du contexte territorial. Ce qui fait qu'au bilan, eh bien, nous pouvons dire que si la frontière met de la distance et de la proximité, elle n'empêche pas de nombreuses pratiques transfrontalières. En d'autres termes, la frontière n'est pas seulement une construction politique, mais également une construction sociale divergente selon les individus et les groupes de population. Il faut s'intéresser aussi aux effets de la frontière sur les dynamiques socio-économiques des espaces frontaliers, à savoir, est-ce que la frontière induit, par exemple, une diminution ou une augmentation du taux de chômage ? Alors, pour la frontière suisse, c'est indéniable, les taux de chômage sont particulièrement faibles, comprennent ce découpage ceci ou ce découpage-là, c'est-à-dire la carte 2017 ou la carte 2022, je ne veux pas dire qu'elles sont identiques, bien évidemment, mais elles sont très proches l'une de l'autre. Celle-ci est peut-être plus facile à lire. Mais l'effet frontière en Suisse est indéniable sur un taux de chômage particulièrement bas. Il est indéniable sur la frontière allemande. Il l'est par contre beaucoup moins sur la frontière belge, sur la frontière luxembourgeoise aussi, ce qui signifie qu'une bonne partie des travailleurs du Luxembourg ne vivent pas près de la frontière luxembourgeoise, mais dans les métropoles ou les villes moyennes situées en Meurthe-et-Moselle à distance raisonnable de l'espace frontalier. Pour ce qui est de la frontière espagnole, l'effet frontière est très modeste sur le chômage. Si l'on prend un autre indicateur, à savoir j'ai oublié d'enlever les petits ronds verts, au moins ils sont déjà là. Si l'on prend le rôle du revenu d'activité, c'est-à-dire est-ce que les espaces frontaliers tirent leurs revenus davantage de l'économie productive, de l'économie résidentielle ou des revenus d'activité, eh bien on s'aperçoit que donc le revenu d'activité, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est le salaire plus les indemnités de chômage lorsque vous n'avez pas d'emploi. Eh bien, on s'aperçoit que les espaces frontaliers qui tirent leurs revenus essentiellement de l'activité, eh bien, c'est la frontière suisse, la frontière allemande, les alentours de la région lilloise. On est assez surpris de voir que la frontière du Luxembourg direct ici, eh bien, vous n'avez pas de revenus d'activité supplémentaires liés à la présence de l'effet frontière, parce qu'une bonne partie des frontaliers habitent relativement loin et habitent plutôt dans les villes moyennes ou métropoles donc de Meurthe-et-Moselle. Pour l'Italie, eh bien, c'est plutôt l'effet Côte d'Azur jusqu'à Menton plutôt que l'effet frontière qui va générer des changements importants. Alors, est-ce que ces effets frontières génèrent en fait une forme de ségrégation spatiale ou au contraire est-ce qu'on a une homogénéité des territoires ? Alors on peut prendre comme référence ou comme exemple, eh bien, le différentiel moyen des salaires, à savoir quel est le rapport entre le salaire des 10% les plus aisés et les 10% les plus modestes. À ce petit jeu, la ville qui arrive en tête, c'est Neuilly. Et Neuilly, vous êtes sur un rapport x8. Et les 10% les plus aisés gagnent ont un salaire 8 fois plus élevé que les 10% les plus modestes. En seconde position arrive Boulogne, puis Paris, et en quatrième position arrive Annemasse. Annemasse, ici, 39 000 habitants. Près de la frontière suisse, près de Genève. Ici, eh bien, vous êtes en rapport de 5,4, à savoir que les habitants d'Annemasse ont un salaire qui est 5,4, les 10% les plus élevés ont un salaire 10 fois plus élevé, 5,4 fois plus élevé que les 10% les plus modestes. Et le salaire moyen à Annemasse est de 57 000 euros par foyer, à savoir un revenu par foyer nettement supérieur à la moyenne nationale. Et lorsqu'on s'intéresse à savoir qui travaille en Suisse, eh bien, sur une enquête qui a été réalisée sur les couples vivant en masse, on a pris 16 000 couples. Sur 16 000 couples, dans 55% des cas, c'est l'homme seul qui travaille en Suisse. Dans 30% des cas,
c'est la femme seule qui travaille en Suisse, et pour le reste, pour un peu plus de 15%, eh bien, c'est seule la femme qui va travailler en Suisse. Donc le travail frontalier, pour la Suisse, continue d'être majoritairement masculin. Et vous avez à peu près tous les secteurs d'activité, avec finalement trois secteurs majeurs qui sont concernés, que ce soit la santé, le secteur de l'hôtellerie-restauration et le secteur de la banque, de la finance, de l'assurance, à savoir les services financiers. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, nous en sommes arrivés là, finalement, par une géohistoire de l'Union européenne assez récente. Alors, on pourrait toujours dire qu'il a toujours existé des mobilités entre les deux tracés frontaliers. Et si vous êtes déjà parti en vacances dans le Pays Basque, vous êtes tous emprunté un chemin des douaniers, un chemin des contrebandiers. Donc, il y a toujours eu un trafic de contrebande entre les deux. Depuis peu, eh bien, on a essayé d'intensifier les échanges légaux entre les deux ou trois territoires. Et donc c'est l'Union européenne qui, depuis les années 80, a essayé de mettre en place tout un système et une structure destinée à intensifier et à fluidifier ces échanges. Alors, à l'échelle locale, donc je ne reviens pas sur l'histoire de l'Union européenne, tout le monde sait ça, Schengen, Maastricht, etc. Mais à l'échelle locale, on a mis en place ce qu'on appelle les eurodistricts. Des eurodistricts, ce sont des espaces frontaliers. Ici, vous avez le cas de Strasbourg-Ortenau. Ces eurodistricts sont des espaces frontaliers de coopération dont le but est d'organiser et d'institutionnaliser la coopération entre les pays au niveau des zones frontalières. Ils sont généralement composés de deux ou trois pays, mais ces eurodistricts n'ont pas de financement particulier et finalement fonctionnent sur le bon vouloir et la bonne volonté des entités bi ou trinationales. Nous avons ensuite des eurocités comme Lille ou Strasbourg, et nous avons ensuite des coopérations interrégionales via le système des eurorégions. La France participe à 14 eurorégions, dont 5 en Outre-mer. Et au sein des eurorégions, les structures frontalières impliquent forcément un partenariat bi ou tri-national. Et lorsque l'on regarde de plus près, vous avez certains départements, comme les Pyrénées-Atlantiques notamment, qui, au sein de ces eurorégions, vont en plus financer des formes de coopération. Pour les Pyrénées-Atlantiques, vous en avez trois. C'est la coopération sportive entre les échanges des deux côtés de la frontière. C'est la coopération linguistique avec l'enseignement de la langue basque. Et c'est aussi une coopération qui a un petit peu du mal à voir le jour entre le port de Bayonne et le port de Passarès, situé à Saint-Sébastien. Alors les deux sont moribonds, ils ont un trafic de 2,5 millions de tonnes. Il n'y en a pas un des deux qui veut lâcher prise. Et donc la coopération a quand même pas mal de mal à voir le jour. Mais vous avez pas mal de travaux qui sont réalisés et d'incitations étatiques et régionales pour aboutir à une forme de coopération la plus importante possible. Et depuis ces différents accords, la mobilité des travailleurs a été très largement facilitée. Alors, cette communication, elle est finalement pratique et de plus en plus efficace parce qu'on a créé des réseaux de transport européens dont le but est d'éliminer les barrières qui existent entre les réseaux de transport afin de créer une seule zone de transport européenne et surtout de privilégier la continuité par rapport à la discontinuité des réseaux de communication.
Et moi, j'ai repris cette citation de Madame Barbaré, qui était « La frontière crée de la distance, de la proximité, alors qu'en réalité, les transports favorisent la proximité dans la distance. » Je trouve que c'est assez explicite et assez significatif de l'état d'esprit de ces réseaux de transport européens. Alors, ces réseaux de transport, on peut les envisager à diverses échelles. On a ces fameux réseaux de transport qui sont des corridors de transport européens ici et qui permettent de traverser toute l'Europe avec des systèmes autoroutiers, des systèmes de LGV, particulièrement efficaces si l'on décide de se déplacer en voiture. Bon, vous verrez, je vous ai mis sur le PowerPoint tout un zoom sur différentes régions avec des espaces qui sont beaucoup plus fréquentés que d'autres en fonction des réseaux de communication qui sont disponibles et accessibles pour la population. Mais outre ces réseaux de transport routiers, ce sont surtout en fait les réseaux de transport en site propre qui ont tendance aujourd'hui à se développer et que l'on essaie d'intensifier le plus possible. Alors ces réseaux de transport en site propre, lesquels sont-ils? Globalement, on peut en identifier plusieurs. Le premier, bien, c'est la création du RER Léman Express, c'est-à-dire le premier RER transfrontalier, et comme vous le voyez, qui dessert la France et qui borde ainsi le lac. Ici, il connecte plus de 1 million de personnes. Vous avez plus de 60 000 personnes qui l'empruntent chaque jour, 230 km de voies, 42 gares desservies, un système qui fonctionne particulièrement bien, une connexion qui est sûre, qui est peu coûteuse et qui, bien évidemment, a un impact environnemental modéré. Un RER transfrontalier qui a très largement pris le dessus sur les navettes fluviales, et qui... certes, d'un côté bucolique, mais nécessite davantage de temps. Et ce RER transfrontalier, il a vu le jour parce que pour toute l'agglomération du Grand Genève, eh bien, on est sur une dynamique particulièrement importante, à savoir que dans le Grand Genève, on signe à peu près 60 contrats d'emploi chaque jour. C'est une agglomération qui, depuis 1990, a grossi de 250 000 habitants. Et vous arrivez, c'est peut-être l'une des métropoles, enfin, une peut-être des agglomérations ou des métropoles les plus dynamiques d'Europe. Vous êtes sur une dynamique que pas grand monde ne connaît aujourd'hui, et ce RER est arrivé à point nommé. C'est un bel exemple de coopération transfrontalière. Dans le même temps, vous avez côté espagnol, eh bien, un Euskotren qui va de Hendaye jusqu'à un petit peu plus loin que Saint-Sébastien. Ça fait 21 km. Mais vous avez un passé relativement ancien et ça ne dessert qu'Hendaye. C'est-à-dire qu'il faut déjà aller à Hendaye, c'est-à-dire à quasiment être en Espagne pour pouvoir le prendre. Donc, l'impact du train, il est assez modeste. Et autrement, il faut changer de gare en Dail depuis Bayonne. Enfin, c'est encore un peu une aventure, mais le principe quand même vertueux, avantageux, et permet de transporter à peu près 7 millions de personnes par an. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est que 7 millions de personnes sur 21 km, ça génère des mobilités importantes, alors des mobilités assez faibles pour le travail et des mobilités essentiellement liées aux loisirs ou à des raisons plutôt fonctionnelles. Et à partir de là, j'essaie de me dépêcher un peu pour ne pas prendre trop de temps, eh bien... On peut identifier plusieurs types d'espaces transfrontaliers, à savoir qu'on a essayé de favoriser l'intégration au détriment de la marginalisation. Et donc,
Moi, à partir de là, j'ai essayé de trouver plusieurs types d'espaces. Les premiers, ce sont les territoires qui étaient marginalisés et qui sont désormais intégrés par le retour de la paix. Le cas typique, c'est Neuf-Brisach. Neuf-Brisach en Alsace. Si on prend une carte de Neuf-Brisach à 1950, eh bien, regardez, vous avez ici un terrain de manœuvre, vous avez ici une caserne, une forêt rempart. Si l'on prend Neuf-Brisach aujourd'hui, eh bien, vous avez ce type de paysage, à savoir un open field à lanière, qui est, on ne va pas dire tout ce qu'il y a de plus anodin, mais tout ce qu'il y a de plus répandu, avec plus aucune trace de ces activités, militaires et de ces activités de défense. Et donc l'intégration du territoire de Neuf-Brisach est aussi passée par une transformation à la fois socio-économique de la région, mais par la disparition aussi de tout cet arsenal de défense militaire. Ces espaces commerciaux, c'est aussi l'essor, les espaces frontaliers, ce sont aussi des espaces commerciaux qui sont au cœur des mobilités frontières de nature fonctionnelle, avec l'apparition de clusters commerciaux ou d'isola commerciaux. Ici, ce sont les différentiels de prix, de taxation, qui engendrent une prolifération commerciale et des mobilités associées aux avantages comparatifs. C'est désormais ici le secteur marchand qui fait la différence. Alors, je vous ai pris l'exemple du col d'Ibardine. Alors ici, forcément, il y a pas mal de monde qui connaît ce type d'endroit, mais début du XXe siècle, vous aviez une cahute de chaque côté de la frontière. Hein, et avec le temps, ce nombre de maisons s'est développé. Et puis dans les années 1965, on a ce paysage-là, où on commence à voir toute une série d'enseignes et de ce qu'on appelle des bentas locales qui se sont installées jusqu'à ce paysage contemporain, à savoir aujourd'hui le col d'Ibardine est lors des grands week-ends de mai ou à l'approche des grandes fêtes de Noël ou pendant l'été, c'est l'affluence de plusieurs milliers de personnes, l'affluence de bus. Certains se sont peut-être trouvés ici dans des embouteillages monstres pour accéder au col d'Ibardine. Et la petite maison originelle où l'on achetait un peu de tabac ou d'alcool, eh bien aujourd'hui c'est devenu le supermarché où vous achetez à peu près tout ce que l'on peut imaginer ou ne pas imaginer. D'ailleurs, dans ces bentas commerciales avec une dimension commerciale extrêmement forte et une temporalité assez marquée, à savoir qu'avant 10 heures, il n'y a quand même pas grand-chose. Et après le pic, et c'est 14h, 15h, puis ensuite 18h, 22h, où c'est. Et la nuit, tout est fermé, vous n'avez plus personne qui se trouve sur place. Et lorsque vous regardez l'occupation de l'espace, eh bien, on a créé des parkings de dimensions considérables, on a artificialisé des espaces. On s'est peu préoccupé des conséquences environnementales lorsqu'on a développé à outrance ces espaces commerciaux. Et ça marche, j'allais dire commercialement, ça marche extrêmement bien. Et on a un peu l'impression souvent que c'est du gagnant-gagnant parce que nombreux sont les habitants, les individus qui traversent la frontière pour faire de bonnes affaires. Et le résultat est forcément prometteur pour ceux qui sont sur place. On peut trouver un troisième type d'espace, ce sont les continuités urbaines dans les espaces frontaliers de plaine, dans les régions sans discontinuité physique, comme dans le Nord, l'Alsace, les plateaux lorrains, dans les régions de seuil, comme le Pays Genevois, le Pays Basque, le littoral Roussillon. On a un continuum urbain qui, lorsqu'il n'est pas scindé en deux ou trois par une discontinuité spatiale, eh bien, génère des mobilités extrêmement faciles parce que vous avez tout un lacis et un réseau d'avenues, de rues, de places qui permettent des mobilités extrêmement simples. Et à partir de là, eh bien, une coopération frontalière
extrêmement forte et une culture commune qui se développe entre les deux espaces proches. Alors c'est le cas de la frontière, notamment entre la France et l'Espagne, à ces deux extrémités, mais c'est aussi et surtout le cas du Nord et de la Belgique, et où vous avez, par exemple, eh bien, des festivals de bière communs entre deux communes limitrophes, parce que ça a du sens, et on a une véritable culture commune dans ces coins-là. Alors, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et par rapport à la bière, mais vous avez, outre cette identité, une culture particulièrement forte qui a tendance à s'homogénéiser de part et d'autre de la frontière. La situation est un petit peu différente lorsque les espaces frontaliers sont délimités souvent par un fleuve, à savoir que chaque fois que l'on a un fleuve, eh bien, vous avez forcément une concentration des flux sur certains ponts, sur certains axes, et les mobilités sont tout de suite beaucoup plus compliquées, malgré la mise en place de réseaux de transport en site propre, et comme entre Strasbourg et Kiel. Mais la discontinuité physique génère une concentration des flux qui, parfois, entraîne des mobilités particulièrement difficiles. Et si l'on prend le cas de la frontière suisse et de Genève, eh bien, si on a mis en place ce grand espace transfrontalier, enfin ce RER transfrontalier, c'est justement pour essayer d'atténuer l'effet de la discontinuité spatiale. Enfin, on a des formes de coopération qui sont un petit peu atypiques et qui ne génèrent pas de mobilité extrêmement forte, mais qui sont plutôt encourageantes et plutôt vertueuses pour la suite. Ce sont les coopérations à dimension environnementale avec l'ensemble formé par le parc national du Mercantour et le parc national Alpi Maritime en Italie, et on a ici à peu près 100 000 hectares, et sur ces 100 000 hectares, on a 33 kilomètres de frontières communes. Alors, ça génère des mobilités relativement fortes, parce que ces deux parcs accueillent quand même à eux deux 1 million de voyageurs, 1 million de touristes chaque année, et vous avez donc des mobilités qui sont facilitées, et on est ici sur des accords vertueux entre deux États pour étendre les zones de protection avec une logique française, et à savoir que nous on est dans cette logique plutôt de sanctuarisation de l'espace plutôt que des logiques de valorisation ou de simple préservation de l'espace comme on peut le trouver dans pas mal de pays anglo-saxons. Et enfin, pour ce qui est de la frontière de la Guyane, eh bien, pour la frontière de la Guyane, vous avez un excellent article sur Géoconfluence qui fait une part significative à l'incertitude du tracé de la frontière guyanaise. Et vous avez à la fois le tracé officiel, et puis vous avez aussi une vue de Google Earth, et vous avez des îles qui sont parfois du côté français, puis parfois du côté du pays voisin. Et le défi pour les frontières françaises en Guyane, alors d'une part, c'est l'incertitude sur le tracé, et le deuxième problème, c'est comment contrôler un tracé frontalier qui est une limite de souveraineté, mais de plus en plus aussi un lieu de circulation de l'économie parallèle, alors que ce soit de l'économie parallèle liée à des stupéfiants ou de l'économie parallèle liée à l'orpaillage, et financièrement, comment surveiller et techniquement une frontière aussi longue, aussi vaste, dans un milieu aussi difficile d'accès. Et je m'arrêterai là pour cet exposé.